Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, je vous présente la vidéo des départementaux de cross qui se sont déroulés le dimanche 14 janvier à Ruel. J'ai commencé à me préparer vers 9h pour un départ à environ 10h. Je me suis préparée à un petit pique-nique, une petite salade de pâtes, de maïs, tomates et avec un petit peu de vinaigrette. Ensuite, on a pris la route, entre 30 et 40 minutes de route, donc vraiment pas grand-chose. Trop belle attirail. Non, on est en direction du terrain de cross. Ensuite, j'ai mangé, par rapport à la salade, je l'ai mal digéré. On est parti faire la reconnaissance du parcours et tester nos points. Bon ben voilà, reconnaissance du parcours de 3700 mètres avec deux grandes boucles. Donc on va partir sur les pentes de 15 sur un terrain d'herbe et de boue. Dites partir vite et on sera à 4 de cognac. Un avant-goût du parcours. Qu'est-ce qu'il y a franchement? Oulala, c'est le bordel chez moi. Au moment du départ, en fait, je sais pas trop comment partir. C'est la première fois que je fais les cross cours. Bah, je me dis, faut partir vite, courir vite, arriver vite. Et c'est parti. Au moment du départ, en fait, j'ai fait tout le contraire. Je suis partie en sprint. Après, j'ai maintenu la même allure sur tout le parcours environ. J'étais à 320. Donc, je me sentais plutôt bien, mis à part ma douleur au ventre. Mais je suis vraiment contente de ma course. Allez Laurine ! C'est moi, y'a personne ! Super ! Y'a personne ! Super ! Et donc Laurine Avignon ! Course terminée ! Et voilà ! Cognac, Laurine Avignon ! Est-ce que t'es content de ta course? Ça va. Ça va. Ça va. T'es pas parti très rapidement, je trouve. bien rapidement. Allez, c'est parti. Pour moi. Ah oui, c'est parti. Voilà la victoire donc d'Antoine Leboeuf, le cadet du G2A. On a passé un super dimanche et on remet ça le dimanche 28 janvier à Montendre. Fin de course et fin de journée. Ça y est, le cross court est terminé. Et on rentre à la maison. Ciao.